Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter ma procédure d'installation et de configuration d'un rig. Alors je n'ai pas la prétention de dire que c'est la meilleure des façons de procéder, mais au final j'ai remarqué qu'en suivant ces étapes, mon rig était stable, j'avais pas de blue screen, Windows ne frisait pas et il ne rebootait pas de façon intempestive. D'où l'idée de faire cette vidéo et de partager donc mon expérience avec vous. En ce qui concerne mon rig, il s'agit d'un rig avec 4 cartes graphiques, c'est des MSI Radeon RX 580 Gaming X 8Go de AMD. Le BIOS est flashé. Alors je ne vais pas faire de vidéo sur comment flasher le BIOS parce qu'il y a une vidéo sur internet qui existe déjà. Elle est super bien faite. Je vous mets le lien en description. Moi je vais uniquement me focaliser sur l'installation et la configuration de tout ce qu'il vous faut pour avoir un PC de minage de crypto-monnaie. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo? On va essayer de créer un rig pour miner de l'Ethereum à 29.5 MHs. Alors je sais qu'on peut monter, mais on risque de perdre en stabilité et ça va augmenter la consommation électrique. Et c'est pas le but. Ici, ce qu'on vise, c'est un équilibre entre 4 points. La stabilité de Windows, un maximum de hash rate avec la plus basse température des cartes graphiques. Donc on va viser à peu près une température de 60 degrés pour éviter d'endommager les cartes. Et le tout avec une petite consommation électrique, parce que c'est la consommation électrique qui va faire que votre rig sera rentable ou pas. Donc au niveau de la consommation électrique des cartes, on va viser le 90 watts par carte graphique. Alors 90 watts, c'est une valeur qui sera affichée par GPUZ, c'est un logiciel de monitoring des cartes graphiques. Et au niveau de la consommation totale du rig, ça on verra une fois l'installation terminée. Donc la première étape consiste évidemment à installer Windows 10. Si vous ne savez pas comment faire, j'ai fait une autre vidéo, je vous mets le lien en description. Une fois que Windows est installé, vous pouvez démarrer. Donc un petit conseil, une fois que vous avez installé Windows, laissez pendant une demi-heure, voire même une heure, le PC tourner à vide. Parce qu'une fois que Windows est installé, il va commencer à vérifier les mises à jour, indexer certains fichiers. Donc ça met du temps et ça occupe le CPU. Alors si comme moi vous avez un CPU pas cher, donc pas très puissant, le fait que Windows est occupé à indexer tous ces machins et que vous vous installez par-dessus vos logiciels, ça risque de ramer un peu, donc c'est assez frustrant. Laissez tourner pendant une petite heure et revenez ensuite pour continuer l'installation. Pour ce tuto, j'ai uniquement installé OBS qui me permet donc de faire cette vidéo et j'ai fait les mises à jour Windows. Alors je vous épargne cette étape parce qu'elle est relativement longue. Mais en gros, qu'est-ce que vous devez faire? Vous cliquez sur démarrer, vous tapez update. Vous sélectionnez recherche de mise à jour, vous atterrissez sur cette fenêtre, vous aurez un bouton recherche et installation de mise à jour. Donc vous cliquez dessus, Windows va faire les mises à jour, va rechercher les mises à jour, va les installer. À un moment vous verrez indiqué ici installation, ensuite en attente de redémarrage, donc vous redémarrez le PC. Une fois que le PC est redémarré, vous refaites la même opération, vous revenez sur cette fenêtre, vous cliquez encore une fois, etc. etc. jusqu'à ce que vous obteniez quelque chose comme ceci. Et à la fin, quand vous allez cliquer sur le bouton, Windows va faire des recherches et va vous indiquer que votre PC est à jour. Voilà. Donc la première étape, c'est installer Windows. La deuxième étape, faire les mises à jour. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez passer à l'étape suivante. On va désactiver les installations automatiques des mises à jour Windows. Pourquoi c'est important de le faire dans le cas d'un rig? Imaginez que Microsoft force l'installation d'une mise à jour suivie d'un redémarrage de votre PC. Pour un rig, ça peut être embêtant. D'où l'intérêt de désactiver ces installations automatiques et de faire les recherches de mise à jour manuellement, je dirais au minimum une fois par mois. Donc pour ce faire, vous allez dans Démarrer, vous tapez Service, vous sélectionnez Service, vous allez tout en bas. Et ici, vous avez Windows Update. Vous double-cliquez dessus. Dans Type de démarrage, vous mettez Désactiver et vous cliquez sur Appliquer. Ensuite sur OK. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez fermer la fenêtre et vous pouvez passer à l'étape suivante. Les différentes étapes que je vais suivre, vous pouvez les retrouver sur mon site. Je mets également le lien en description. Et on passe donc à l'étape 7-Zip. Vous allez dans un explorateur Internet. Vous tapez 7-Zip. Vous regardez bien que vous allez sur le site de 7-Zip en HTTPS pour pas tomber sur un site pirate. Vous téléchargez la version qui correspond à votre Windows. Ici, c'est un Windows 64 bits. Vous enregistrez ça sur le bureau. Une fois qu'il a téléchargé, vous l'installez. Alors ça, c'est l'UAC. En temps normal, c'est pas gênant, mais pour un PC de minage de crypto-monnaie, c'est assez gênant parce que si vous redémarrez votre machine et que vous devez lancer le logiciel de minage, vous aurez probablement ceci. Donc si votre PC démarre, le minage ne redémarrera pas automatiquement. Donc on va s'occuper de cette fenêtre-là tout à l'heure. On va faire en sorte qu'elle n'apparaisse plus et que automatiquement les logiciels se lancent. On installe. Une fois que c'est installé, c'est terminé. Donc ça, on peut mettre à la poubelle.
Alors, elle n'est pas obligatoire, mais moi, j'aime bien la faire. On va installer Notepad++. Notepad++, c'est un logiciel d'édition de texte. Et comme on va devoir éditer des fichiers BAT, Notepad++ est beaucoup mieux qu'un simple Notepad. Donc, dans la barre, on tape Notepad++. De nouveau, vous vérifiez que vous tombez sur la page officielle de Notepad++. Vous allez dans Télécharger, Download. Vous enregistrez et vous installez. Je crée un shortcut sur mon desktop, ça me permettra d'accéder facilement à l'application. Terminé. On va s'occuper donc de l'UAC, donc c'est la fenêtre qui s'affiche à chaque fois que vous démarrez une application et qui vous demande si vous êtes sûr, oui ou non, de vouloir démarrer l'application ou de démarrer l'installation. Donc pour désactiver ça, vous allez dans le Control Panel, vous tapez Panel ou Panneau, Panneau de configuration, vous allez dans Compte utilisateur, de nouveau Compte utilisateur, modifiez les paramètres de contrôle du compte utilisateur et vous descendez cette barre tout en bas. Ok, vous validez, c'est terminé. Une fois que c'est fait, vous pouvez fermer cette fenêtre. Donc maintenant, on va s'occuper de l'auto-login de Windows. Donc vous avez remarqué qu'après l'installation de Windows et après chaque redémarrage, vous devez rentrer votre login et mot de passe. Donc on va faire en sorte que vous n'ayez plus cette étape à faire et que Windows se log automatiquement. Donc pour faire ça, vous allez dans Démarrer, vous tapez Exécuter ou Run, vous choisissez. Vous tapez NETPLWIZ, Enter. Vous décochez cette case et vous cliquez sur Appliquer. Alors ici, pour confirmer, il faut rentrer une dernière fois votre login et mot de passe. Alors attention, Windows par défaut a initialisé le nom d'utilisateur au nom d'utilisateur qui n'est pas forcément le vôtre. Il a coupé. Donc là, vous re-rentrez votre nom d'utilisateur complet. Vous rentrez deux fois votre mot de passe et vous cliquez sur OK. Encore une fois OK. Et voilà, on a terminé cette étape. On va s'occuper de l'adresse IP de votre rig, afin qu'elle soit toujours statique, si dans le futur, vous souhaitez faire du remote desktop, donc du contrôle à distance. Donc pour ça, vous allez dans Démarrer, vous tapez de nouveau Panel ou Panneau, Panneau de configuration, Réseau et Internet, Centre de réseau et partage, Modifier les paramètres de la carte, clic droit, Propriété, vous sélectionnez Protocole Internet version 4, vous double-cliquez dessus, utilisez une adresse IP suivante. Là, vous rentrez une adresse IP de votre choix. Votre passerelle par défaut. Et encore une fois, l'adresse de la passerelle. Vous cliquez sur OK, OK, et vous pouvez fermer les fenêtres. On va autoriser le remote desktop. Donc de nouveau, démarrer. Panneau, système et sécurité, système, paramètres d'utilisation à distance. Et ici, dans l'encadré bureau à distance, vous sélectionnez autoriser les connexions à distance, vous validez, appliquez, OK. Dans une autre de mes vidéos, je vais vous montrer plusieurs façons d'accéder à distance à votre rig de minage, que ce soit via un ordinateur ou un appareil tel qu'un smartphone ou une tablette. Donc allez voir sur ma chaîne YouTube. On va s'occuper de tout ce qui est mise en veille et économie d'énergie du PC. On n'a pas envie que notre PC, au bout de 30 minutes, s'éteigne tout seul ou se mette en veille. Donc pour ce faire, vous retournez dans le panneau de configuration, système et sécurité, options d'alimentation, modifier les paramètres du mode et modifier les paramètres d'alimentation avancée. Alors, au niveau du disque dur, arrêtez le disque dur, après, vous descendez jusqu'à 0. Et en dessous de 0, vous avez jamais. Au niveau d'Internet Explorer, il n'y a rien. Paramètres de l'arrière-plan, il n'y a rien. Paramètres sans fil, il n'y a rien. Veille, veille après 30 minutes, ça on modifie, on descend. Jusqu'à jamais. Autoriser la veille hybride, on laisse. Mettre en veille prolongée après, jamais, c'est très bien. Ça, on touche pas. Paramètres USB, il n'y a rien. Bouton d'alimentation du capot, on s'en fout. PCI Express, ça, on laisse. Gestion d'alimentation du processeur,
ça on ne touche pas. Au niveau de l'affichage, éteindre l'affichage après, bon ça, notre rig normalement il n'a pas d'écran, donc ça sert à rien, mais on met quand même jamais. Activer la luminosité adaptative, on touche pas. Paramètres du multimédia, là il n'y a strictement rien à changer, donc vous faites appliquer, ok. Ici, vous sélectionnez jamais, jamais, enregistrer les modifications. Pour être sûr, on va quand même vérifier, donc jamais, jamais. Ici, disque dur 0, veille, jamais, jamais, très bien. Ok, donc voilà, on a fini. On va augmenter la mémoire virtuelle. Alors, l'augmentation de la mémoire virtuelle est nécessaire pour le minage de la crypto-monnaie. Donc, pour ça, de nouveau, panneau. Panneau de configuration, système sécurité, système, paramètres de système avancé. Dans l'onglet performance, cliquez sur paramètres, onglet avancé, mémoire virtuelle, vous cliquez sur modifier, vous décochez la case, vous sélectionnez taille personnalisée, vous entrez 16384 deux fois et vous cliquez sur définir. OK. Appliquer, OK. OK. Si Windows vous demande de redémarrer, redémarrez votre PC. Une fois que le redémarrage est terminé, retournez dans les paramètres avancés du système, préférences, avancées, pour vérifier que la valeur a bien été prise en compte. Si c'est le cas, on passe à l'étape suivante. Alors dans ma liste, c'est pas nécessaire, mais la 11e étape consiste à désactiver les applications qui se lancent au démarrage. Donc pour voir qu'est-ce qui se lance au démarrage, vous cliquez droit sur la barre des tâches ici, gestionnaire des tâches, l'onglet démarrer, et là vous regardez tout ce que vous pouvez désactiver et qui n'est pas nécessaire pour un rig. Alors moi j'ai ici OneDrive qui ne m'intéresse strictement pas par exemple, donc je le désactive. Logitech, ça je crois que c'est ma souris, donc ça je peux éventuellement le garder. Donc une fois que c'est fait, vous pouvez quitter la fenêtre. Si Windows vous demande de redémarrer, démarrez si vous voulez, mais c'est pas nécessaire, de toute façon on va redémarrer Windows plus tard. On va installer GPUZ. On va chercher GPUZ, vous tapez GPU espace Z, Enter. Vous allez sur le site Tech Power Up. Download GPUZ, standard version, download, ça c'est bon. Enregistrer sous, desktop. Une fois qu'il est téléchargé, vous installez. Donc là, il vous indique qu'il va se placer dans le menu de démarrage de Windows, donc il va démarrer automatiquement avec Windows. Je crée un shortcut, next, install, close. Il va automatiquement démarrer. Alors déjà, vous pouvez vérifier si vos cartes graphiques sont ici. Donc voilà, elles sont là. Et on va en même temps profiter pour modifier une option. Donc on va dire load GPUZ on Windows Startup. Et l'autre option se trouve ici, je crois. Voilà. Donc on va augmenter la fréquence des refresh. Donc on va le mettre à 2 fois par seconde. Ça nous sera utile plus tard. Vous cliquez sur OK. Et là, vous pouvez le réduire. Et vous pouvez voir qu'il se trouve ici. Voilà, il est là. On va installer Macrium Reflect, l'édition Home. Donc pour ça, vous tapez Macrium Reflect Home Free. Donc vous regardez bien que vous êtes sur la page officielle de Macrium. Et là, vous téléchargez la version Home Use. Alors Macrium Reflect, c'est quoi ? Macrium Reflect, c'est un logiciel qui permet de faire l'image de votre PC. Imaginez qu'il y a un truc qui plante, vous devez tout réinstaller. Si vous avez fait une image de votre machine auparavant, la réinstallation va vous prendre peut-être 10 petites minutes au lieu de mettre une heure. Donc on gagne du temps. Donc une fois que vous avez téléchargé l'installateur, laissez les valeurs par défaut et cliquez sur Download. Là, il vous avertit qu'il va télécharger 808 mégas. Vous dites OK. Une fois qu'il a téléchargé, on va l'installer. Alors, les logs ne sont pas nécessaires. Next. Vous choisissez l'édition Home. Alors, est-ce que je veux enregistrer ma copie ? Non. Je ne veux pas le lancer tout de suite. Finish. Voilà. Donc ça, on peut mettre à la poubelle, ça aussi.
Et donc, on a nos outils ici. Alors, dans l'étape 14, j'ai indiqué qu'on peut défragmenter le disque, mais comme on vient d'installer Windows, ce n'est pas nécessaire. Donc, on va passer tout de suite à l'étape 15, qui consiste à créer un stick USB bootable. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ce stick USB? Donc, dans l'étape suivante, on va faire une image de notre Windows. Et si jamais Windows crash et vous ne savez plus le démarrer, grâce à ce stick USB, vous pouvez démarrer la procédure de réinstallation de l'image que vous allez créer à l'étape 16 et ainsi réinstaller Windows avec tous les logiciels qu'on a installés jusqu'à présent. Donc, pour ce faire, vous prenez une clé USB de minimum 512 mégas. Alors, moi, j'en avais déjà une que j'ai insérée dans le PC qui est ici. Donc on va dans Macrium. Je n'ai pas envie de m'inscrire, donc hop. Donc une fois que vous êtes dans Macrium, vous allez dans Restore, autre tâche, et créer un média bootable. Next, next, vous ne changez rien, next. Vous sélectionnez USB device. Et vous allez chercher votre clé. Et vous cliquez sur Finish. Voilà, votre périphérique de démarrage est prêt. Cliquez sur OK. Et on peut le vérifier. Donc quand on va aller... Voilà, vous voyez, il n'est plus vide. Et il contient les fichiers de démarrage de Windows. Ça, c'est bon. 16e étape, on va donc faire l'image de notre Windows. Pour ça, vous allez dans Image Disque. Vous sélectionnez la partition qui contient votre Windows, donc c'est généralement la C, et vous choisissez de faire l'image de la partition. Alors pour le répertoire de destination, je vous conseille de prendre un disque dur externe. C'est ce que j'ai fait, j'en ai connecté un vieux disque dur suffit. Donc ici c'est mon driver D par exemple. Et dans le driver D, je vais faire un nouveau dossier que je vais appeler IMG. Ok, donc je vais stocker mon image dans DIMG. Pour le reste, je ne change rien. Je clique sur Next. Ici non plus, je ne change rien. Je clique sur Next. Et voilà, donc vous voyez, l'image qui va être créée, c'est dans DIMG avec un ID qui sera automatiquement initialisé par Macrium. Finish. OK. Voilà, une fois l'image créée, vous cliquez sur OK et vous pouvez fermer Macrium. Donc on va quand même vérifier si l'image est présente sur le disque. Ouais, donc elle est là, tout va bien, elle fait 12 gigas. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait une image de Windows maintenant? J'ai remarqué qu'à partir de l'étape 16, Windows commençait à déconner un peu. Donc si jamais dans les futures étapes, il y a quelque chose qui déconne, voilà, j'ai toujours la possibilité de réinstaller Windows avec les applications jusqu'à l'étape 16. Et je pourrais reprendre et continuer en cas de problème. Donc la prochaine étape, c'est l'étape 17 qui consiste à installer DDU pour désinstaller les drivers des cartes graphiques installés par défaut par Windows. Donc pour ça, on va se rendre sur le site, alors je m'excuse si je le prononce mal, wagnardsoft.com. Dans un explorateur internet, vous tapez wagnardsoft. Ici, vous voyez https://www.wagnardsoft.com. Vous cliquez dessus. Vous descendez un peu et vous sélectionnez ici la dernière version de DDU. Vous descendez un peu. Ne cliquez surtout pas là parce que là c'est une publicité. Par contre ici, vous cliquez sur Download. Vous descendez un peu. Official Download Here. Vous le téléchargez. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous le dézippez. Je vous conseille de faire un répertoire qu'on va appeler DDU sur le bureau. Exécuter. Et là, il va vous demander où est-ce que vous voulez encore une fois le dézipper. Donc là, vous choisissez le bureau DDU. OK. Extract. Ça, on peut mettre à la poubelle. Vous allez dans votre répertoire et vous exécutez l'exécutable. Alors pour la suite des événements, DDU vous suggère d'être en mode sans échec. Donc ici pour la vidéo je ne vais pas le faire, mais vous, lorsque vous réaliserez ces étapes, je vous conseille de le faire. Donc vous cliquez sur OK, vous allez dans Options, et tout en bas vous demandez à afficher le message du mode sans échec, fermé. Alors la prochaine fois que vous allez le redémarrer, là vous avez la possibilité de redémarrer Windows en mode sans échec. Vous sélectionnez mode sans échec, et vous cliquez sur le bouton redémarrer en mode sans échec.
Une fois que votre Windows a redémarré, automatiquement DDU va démarrer et vous vous retrouverez sur cette fenêtre. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va désinstaller les drivers des cartes graphiques qui ont été installés automatiquement par Windows Update. Donc vous, lorsque vous allez exécuter cette étape, vous cliquez sur le bouton nettoyer et redémarrer. Vu que je suis en train de tourner la vidéo, je vais nettoyer mais je ne vais pas redémarrer. Donc vous, vous cliquez sur le premier bouton. Alors là, DDU vous avertit qu'il a coupé les mises à jour automatiques des drivers des cartes graphiques faites par Windows Update. Donc ça c'est très bien. Ok, et là il est parti. Donc une fois que DDU a terminé de désinstaller les drivers, normalement le PC il redémarre automatiquement. Je vais redémarrer mon Windows et on se revoit tout de suite. Une fois que Windows a redémarré, on va attaquer l'étape 18A, qui est l'installation des nouveaux drivers spécifiques pour la blockchain de nos cartes graphiques. Donc pour ça, vous allez dans Internet Explorer. En ce qui me concerne, j'ai des cartes AMD. Donc je vais chercher les drivers AMD. Vous tapez AMD GPU Driver Blockchain. Enter. Vous allez sur la page de support de AMD. Et en descendant, vous pouvez télécharger les drivers. Alors moi, c'est une version 64 bits. Avant d'installer les nouveaux drivers des cartes graphiques, on va déjà entamer l'étape numéro 19, qui est le téléchargement du patcher. Alors pour télécharger le patch, vous allez sur le site de Monitor Test. Donc vous tapez Monitor Test, Forum. Vous allez dans Monitor Test et Vidéocarte. Vous allez dans AMD ATI Pixel Clock Patcher et vous téléchargez le zip. Une fois que c'est téléchargé, on va installer les drivers des cartes graphiques. Donc là, vous voyez, il vous dit qu'il va dézipper tout dans CAMD. OK. Une fois l'installation terminée, vous cliquez sur Ignorer et vous ne redémarrez pas la machine. Donc vous cliquez sur Fermer. Ça vous ferme. Avant de redémarrer la machine, on va appliquer le patch. Donc pour ça, on dézippe et on l'exécute. Une fois le patch appliqué, vous pouvez redémarrer votre PC. Une fois que Windows a redémarré, on va passer à l'étape numéro 21 qui consiste à installer MSI Afterburner. Mais avant, je vais virer tout ça pour être plus propre. Donc avec un explorateur, on tape MSI Afterburner. Alors on va sur le site de MSI et pas de je sais pas qui. Donc allez toujours sur le site officiel des applications. Ne vous rendez pas sur des sites qui sont en tête de recherche parce que Dieu sait d'où ils sortent ces sites. Donc toujours le site officiel. Vous descendez un peu, vous cliquez sur Download et Download MSI Afterburner. Vous le dézippez. Et on l'installe. Donc une fois installé, on le démarre, s'il ne démarre pas automatiquement. Chose qu'on constate, c'est que le core voltage n'est pas actif, n'est pas modifiable. Donc on va s'occuper de ça tout à l'heure. Première chose qu'on va faire, c'est s'assurer que les options de MSI Afterburner sont appliquées à tous nos GPU. Donc ici, on regarde, vous avez deux petits logos. Si les deux logos sont identiques, c'est bon. S'ils sont comme ça, par contre, c'est pas bon. Donc il faut qu'ils soient identiques. Et on va dans les options. On check démarrer avec Windows et démarrer minimisé. On check déblocage du contrôle de tension et déblocage du monitoring de tension. On descend, on check étendre les limites officielles d'overclocking et on va sur le dernier onglet. On va décocher l'affichage des bulles d'aide et je crois que c'est tout. Je vérifie un coup.
et on clique sur OK. Donc là, il vous demande si pour appliquer les modifications des paramètres, vous voulez redémarrer MSI Afterburner, vous dites oui. Et une fois qu'il a redémarré, comme on a demandé en minimisé. Donc maintenant, on va s'occuper de l'activation du contrôle du core voltage. Alors pour activer cette option, il y a plusieurs possibilités, mais une qui a directement fonctionné pour moi, c'est la suivante. Je vais dans le répertoire d'installation de MSI Afterburner. C'est Program Files X86, MSI Afterburner, et on va dans le répertoire Profil. Et là, vous voyez, il y a quelques fichiers. Donc, on prend tous les fichiers qui commencent par VEN et on les édite. Donc, une fois ouvert dans votre éditeur de texte, on va tout simplement changer le contenu de ces fichiers. Donc, pour ça, on va aller chercher ce qu'on va coller dedans. Donc, voilà. Et c'est ça qu'on va coller dedans. Je vous mets ça, évidemment, à disposition sur mon site internet. Lien en description. Donc, vous copiez. Vous faites Select All, supprimer, coller, sauvegarder. Là, NotePass++ dit que l'opération a échoué parce qu'il faut être en mode administrateur. Donc vous dites oui, je veux redémarrer NotePass++ avec les droits administrateur. Et là, pour être sûr, CTRL-A, DELETE, COLLER. On sauvegarde et on ferme. Le fichier suivant, donc ils sont tous là en fait. Hein. Vous voyez ? Donc le fichier suivant, CTRL-A, supprimer, coller. Sauvegarder, fermer. Et on fait ainsi de suite pour tous les fichiers qui commencent par VEN. Une fois que c'est fait, vous fermez MSI Afterburner et vous le redémarrez. Et là, vous voyez, le core voltage a été activé. Si cette méthode ne fonctionne pas pour vous, il y a une deuxième. Alors, malgré qu'elle n'est pas nécessaire pour moi, je vais quand même vous montrer comment il faut procéder. Donc pour ça, on va se rendre sur un site internet. Donc vous allez dans mon fichier, vous allez voir dans mes étapes le lien ici. Une fois dedans, vous avez les différentes étapes qui sont décrites ici. La première étape vous demande d'être sûr d'avoir la dernière version de MSI Afterburner, c'est le cas. Deuxième étape, elle nous demande de nous rendre dans le répertoire d'installation de MSI Afterburner et éditer le fichier CFG, donc c'est ce qu'on va faire. Donc on va dans C, Program Files, MSI Afterburner, et là vous voyez, vous avez votre MSI Afterburner.cfg. Vous cliquez droit, édite avec NotePad++. Dans ce fichier, il vous dit de trouver ce tag-là, donc vous le copiez. CTRL-F, coller, suivant. J'ai un espace. Suivant, voilà. Une fois que vous l'avez trouvé, il vous demande de coller cette ligne-là dedans, juste à côté. Donc espace, coller, CTRL-S pour sauvegarder. Oui, je veux le redémarrer en mode admin. CTRL-S, OK. Et il vous demande de modifier la valeur qui est ici chez nous à 0. Donc de ce tag-là, qui est à 0, on la passe à 1. CTRL-S pour sauvegarder. Alors l'étape suivante, c'est de se rendre dans la registrie. Pour ça, vous voyez, il faut prendre la commande regedit. Vous allez dans démarrer, exécuter. Vous collez regedit, enter. Et vous rendez à cette adresse-là. Donc, hkey local machine, système, contrôle 7001, contrôle, classe, là, vous copiez cette valeur-là. CTRL-C. Vous sélectionnez classe. Vous appuyez sur CTRL-F pour rechercher. Ou alors, vous allez dans édition, rechercher.
Ici, vous collez ce que vous avez copié et vous faites rechercher le suivant. Une fois qu'il a trouvé, vous l'ouvrez. Et là, vous voyez, vous avez tous des dossiers 000 à 004. Donc, pour savoir quoi faire, on descend ici, on clique sur l'image. On l'agrandit. Ici, donc, on a nos dossiers. Et il nous demande donc de parcourir chacun de ces dossiers. Et dans chacun de ces dossiers, il faut qu'on trouve la clé Enable ULPS. La valeur par défaut de cette clé est à 1 et il faut qu'on la change à 0. Donc, on va dans le premier dossier, on descend jusqu'à trouver Enable ULPS. On double-clique dessus, donner de la valeur 1, on la change à 0. OK. Et on fait la même chose pour les autres répertoires. Alors, dans le suivant, on voit qu'il n'y a pas, on passe au suivant. Une fois que c'est fait, vous pouvez fermer Regedit et vous pouvez redémarrer MSI Afterburner. Redémarrez-le et regardez si cette option est enfin disponible. Si cette option n'est toujours pas active, je vous conseille d'aller voir une vidéo qui a été réalisée par Jax. Je mets le lien dans mon tutoriel. Il explique comment est-ce qu'on peut activer cette option de 4 façons différentes. Mais vu que pour nous ici c'est OK, on passe à l'étape suivante. Donc dans MSI Afterburner, on va créer 2 profils. Donc je rappelle, c'est un rig qui va être destiné à miner de l'Ethereum. Donc pour ce faire, on va mettre le core voltage à 860, le core clock à 1150, et le memory clock à 2150. On applique et on sauvegarde dans le premier profil. On va maintenant créer un deuxième profil avec des valeurs légèrement inférieures à celles qu'on a initialisées pour le premier profil. Donc pour le core voltage, on va mettre 855 et pour le core clock, 1145. On applique et on sauvegarde dans le deuxième profil. Donc par défaut, on met le premier profil, OK. Alors pourquoi je fais ça? J'ai remarqué que lorsque mon rig mine de la crypto-monnaie, donc de l'Ethereum, les cartes graphiques consomment 90 watts. Et je ne sais pas pour quelle raison, pendant la nuit, la consommation de chaque carte passe de 90 watts à 140 watts, pour rien. Et le hash rate, il bouge pas. Donc ce que j'ai remarqué, c'est lorsque la consommation déconne, le fait de switcher entre les deux profils fait que la consommation redescend à 90 watts. Alors évidemment, on va pas tous les matins s'amuser à vérifier si la consommation des cartes a augmenté et changer les profils ici manuellement. On verra à l'étape 24 ce que j'ai créé pour automatiser ça. On passe à l'étape 22 qui est l'installation du logiciel de minage qui est Claymore Dual Mining. Donc pour ça, vous allez sur le site internet qui est dans mon tuto à l'étape 22. Au moment où je tourne cette vidéo, on voit que c'est la version 11.5 qui est la dernière, donc on va télécharger 2 mégas par exemple. Alors quand vous agrandissez, vous voyez ici la version, les deux versions 11.5, la dernière ligne c'est pour Linux et l'avant-dernière c'est pour Windows. Donc on fait un clic droit, télécharger, télécharger zip. Voilà, il le télécharge. On le sauvegarde sur le bureau. Une fois que c'est téléchargé, on le dézippe. On le dézippe encore une fois. Et là, l'antivirus crie au secours. Et probablement qu'il nous a dégagé l'exécutable. Ouais, bingo. Donc vous voyez, il n'y a plus l'exécutable ici. Donc pour résoudre ce problème, c'est très simple. On va créer un répertoire ici, sur le bureau. On va l'appeler mineur par exemple. On déplace le zip dedans. Ça on ferme, ça on peut jeter. Donc là on a notre mineur. Et on va ajouter le répertoire mineur aux exceptions de Windows Defender. Donc pour faire ça, on ouvre Windows Defender, ouvrir. On clique sur le bouclier, ne pas envoyer. On clique sur paramètres de protection. On descend jusqu'à exclusion. Et on clique sur ajouter dossier sur le bureau miner. OK. Et voilà, il a ajouté le dossier miner aux exclusions de Windows Defender. Donc, a priori, maintenant, si on le dézippe, il ne devrait plus y avoir de problème. Voilà, et quand on va dedans, on a bien notre exécutable.
alors que j'aime pas quand c'est comme ça, donc je vais couper celui-là et je vais le remonter d'un cran. Hop, et celui-là, je peux le virer, supprimer. Et là, je le renomme tout simplement en Claymore 11.5. Voilà, c'est beaucoup plus court. Et ça, à la limite, on peut virer aussi. Voilà. Donc maintenant qu'on a téléchargé Claymore, on va s'occuper du point bat. Donc tout en bas, vous avez start.bat. Alors vous voyez pas le point bat, mais lorsqu'on va dans affichage, options, modifier les options, affichage, et ici on a masqué les extensions, donc vous décochez ça. Et alors tant qu'on y est, une chose qui est intéressante, c'est afficher les dossiers et fichiers cachés. On clique sur appliquer, OK. Donc là, vous voyez, vous avez votre start.bat, donc vous l'éditez avec Notepad++. Alors par défaut, il y a déjà des valeurs dedans. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est CTRL-A, DELETE, on supprime ça. Vous allez dans mon tuto et vous copiez tout ça. Donc l'étape 22BII, copier, vous collez et vous sauvegardez. Les premières instructions sont les instructions de configuration pour les GPU, donc pour les cartes graphiques. Cette instruction-là, ça démarre le logiciel de minage avec certains paramètres. Et on va voir tout de suite quels sont les paramètres. Donc par défaut, voilà, je laisse les paramètres tels qu'ils sont là. Donc ça va démarrer l'exécutable ici. Sur le pool, ben, j'ai choisi de miner sur NanoPool. Ensuite, il faut initialiser votre wallet, point, le nom de votre mineur. Alors vous pouvez donner le nom que vous voulez, slash, votre email. Alors l'email, je crois qu'il n'est pas obligatoire. Mais moi, j'aime bien le mettre parce que si jamais mon rig arrête de miner, je reçois un mail en disant qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si les autres paramètres vous intéressent, vous pouvez toujours aller sur la page de téléchargement de Claymore. Et quand vous descendez, voilà, à partir de là, vous avez toutes les explications de chaque paramètre de Claymore. Et ce qui est important, c'est les quatre derniers paramètres. Donc ici, Core Clock, Memory Clock, Core Voltage et Memory Voltage. Donc ça, on va modifier en fonction des valeurs qu'on a rentrées dans MSI Afterburner. Core Clock, une valeur. Alors à partir du moment où vous rentrez une valeur, cette valeur sera appliquée à la première carte. Vu que mon rig est constitué de 4 cartes, je dois rentrer ces valeurs 4 fois. Donc je fais virgule 1150. Voilà, donc à partir de ce moment-là, le Core Clock de 1150 sera appliqué à mes 4 cartes. Je fais exactement la même chose pour le Memory Clock, mais avec la valeur de 2150. Pour le Core Voltage et Memory Voltage, pareil. Je sauvegarde et je peux réduire. On peut créer un raccourci sur le bureau et le répertoire, on peut fermer. Alors, une chose que j'ai oublié, c'est d'initialiser le wallet, évidemment. Donc, je reviens quand même. Donc, c'est ici. Alors, pour réaliser cette vidéo, j'ai créé un wallet fictif. Donc, c'est pas la peine de voir s'il y a du pognon dessus. Probablement qu'il n'y aura rien du tout. Donc, j'initialise quoi ? Le wallet, point, le nom du mineur. Alors, je l'ai appelé rig0, slash, mon email. Je sauvegarde et je peux réduire. Déjà, pour tester, on va double-cliquer et voir si tout démarre bien. On autorise l'accès au réseau privé. Et voilà. Et il commence à miner à du 30.2 MHz. Donc, on peut fermer. Alors l'étape 23, c'est l'optimisation dans Wattman. Wattman est un logiciel d'overclocking de vos cartes graphiques. Donc il se trouve ici, vous allez là, sur le petit logo rouge, clic droit, ouvrir. Vous cliquez dans jeu, ajouter, parcourir. Vous allez chercher votre logiciel de minage qui est Claymore ici, ETH, blablabla. Ouvrir, vous cliquez dessus. Alors si vous agrandissez, dans le dernier onglet, vous voyez ici j'ai 4 cartes graphiques, donc j'ai 4 profils, 1, 2, 3 et 4. Alors pour chacun de ces profils, donc qui correspond à chacune de vos cartes, vous pouvez définir les fréquences et le voltage du core clock. Alors chez moi, vous voyez par défaut c'est 1150, ça me convient très bien. Et ici, si je clique là-dessus, c'est tout à 861, je ne sais pas pourquoi il a mis 861, mais ça me convient très bien. Donc ça, je ne vais pas changer, et ici non plus. Mais vous pouvez définir vos propres valeurs ici en fonction de chaque tension, pour chaque carte évidemment. Moi, je n'utilise pas ça, donc je vais supprimer ce profil. Mais si vous souhaitez le faire, si vous constatez qu'il y a des instabilités au niveau du minage, bah, vous pouvez toujours l'utiliser. Le Mining Manager. Alors, le Mining Manager, c'est quoi ? Moi, je l'ai stocké ici. C'est un exécutable. Je le déplace là. Alors, le Mining Manager, c'est une application que j'ai fait moi-même. Elle est réalisée en C#.
C'est du open source, le code source est mis à votre disposition sur GitHub. Allez voir sur GitHub, lisez le code, voyez ce qu'il fait. Vous pouvez télécharger le code, le compiler et avoir votre propre exécutable. Mais si vous décidez de télécharger l'exécutable, sachez que le seul endroit officiel où vous pouvez télécharger, c'est sur mon site. Pourquoi ? Parce que cet exécutable sera lié à un code checksum, c'est pour éviter que vous téléchargiez l'application sur un autre site et que quand vous l'exécutez, vous chopez un virus, etc. Donc si vous voulez télécharger, honnêtement, allez sur mon site ou sur GitHub. Alors, qu'est-ce que c'est le Mining Manager ? Donc, quand vous ouvrez l'application, vous avez ça. Le but du Mining Manager, c'est un peu vous faciliter la vie pour tout ce qui est démarrage du logiciel de minage, contrôle de la consommation et, comme je vous ai déjà touché un mot là tout à l'heure, rectification de la consommation électrique de votre rig. La version que vous voyez ici, c'est pas la version finale, donc je l'ai appelée 1.0, mais probablement lorsque vous le téléchargerez, il y aura quelques petites modifications qui auront été réalisées. Donc dans le cadre de cette vidéo, je vais pas expliquer dans les détails ce que ça fait parce que je vais réaliser probablement une vidéo dédiée uniquement à cette application. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire ? On va cocher cette case-là qui va faire que le Mining Manager va démarrer automatiquement au démarrage de Windows. Alors vous voyez, il m'a créé déjà un XML, c'est les settings de l'application. C'est les options qu'on coche ici dans l'application, ben, elles sont sauvegardées comme ça. La prochaine fois que vous redémarrez le Mining Manager, vos options sont automatiquement initialisées. Deuxième case, je check. Je veux que le Mining Manager démarre mon software de minage qu'on va initialiser tout de suite. Et je veux qu'il démarre automatiquement la procédure du WattFix. Alors, la procédure du WattFix, je vais vous l'expliquer brièvement ce qu'elle fait. C'est tout ce qui concerne cette case-là. Alors, le Mining Software. Donc, ici, vous voyez qu'il n'y a rien. Donc là, on va aller chercher. Donc, on va aller chercher l'application de minage. Bureau, Mining, Claymore. Et qu'est-ce qu'on va chercher ? On va chercher notre point BAT. Sélectionné. On lui donne un nom. Alors pour le nom, j'aime bien donner un nom structuré, donc c'est par exemple Claymore. Sur le pool, Nanopool. Et c'est avec mes 4 GPU. Je le sauvegarde. Alors si vous avez par exemple Claymore pour faire du solo mining et vous avez une autre configuration pour faire du dual mining, donc rien ne vous empêche d'ajouter votre deuxième point BAT ici, donc vous l'ajoutez. Pour l'exemple, je vais sélectionner le même. Hein, imaginons que ça c'est du dual mining, je l'ajoute. Hein, vous rentrez votre nom, dual mining, save. Et lorsque vous fermez, vous voyez, vous avez vos deux liens ici. Alors, rien ne vous empêche de changer l'ordre, par exemple. Vous dites que le premier, c'est celui-là. Donc, vous voyez, maintenant, il est passé au-dessus. Si vous le descendez, voilà, il est passé en dessous. Et si vous n'en voulez plus, vous cliquez sur le moins, vous le supprimez. Êtes-vous sûr de vouloir le supprimer ? Oui, je le ferme et donc, j'ai plus qu'un seul ici. Une fois que vous avez initialisé votre software de minage, vous pouvez le démarrer et il va commencer le minage. Enfin voilà. Donc voilà, vous téléchargez vos logiciels de minage, vous les stockez ici, vous ajoutez tous les points BAT et exécutables à la liste de vos softwares de minage et vous pouvez facilement switcher ici. Le WattFix, qu'est-ce que c'est le WattFix ? Je crois que je vous en ai déjà parlé dans cette vidéo. J'ai remarqué que lorsque je mine de l'Ethereum, mes cartes consomment 90 watts. Et Dieu sait pour quelle raison, pendant la nuit, la consommation de ces cartes passe de 90 watts à 140 watts. Donc là, tout à l'heure, on avait configuré deux profils dans MSI Afterburner. Et tout simplement, cette fonctionnalité, WattFix, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va vérifier la consommation des cartes. Et si elle dépasse un certain seuil, qui est défini par ce paramètre, le Mining Manager va automatiquement switcher entre le profil 1 et 2 dans MSI Afterburner. Donc ça vous évite de le faire manuellement. Donc pour que cette fonctionnalité fonctionne, il faut tout d'abord avoir installé MSI Afterburner. Si vous l'avez installé et qu'il est dans le répertoire par défaut, automatiquement c'est initialisé. Si pas, vous pouvez toujours cliquer sur le bouton et aller chercher l'exécutable MSI Afterburner. Et donc il faut aussi GPUZ. C'est dans GPUZ que le Mining Manager va vérifier quelle est la consommation de la carte. De nouveau, si vous l'avez installé dans le répertoire par défaut, c'est automatiquement initialisé. Si pas, vous pouvez aller chercher l'exécutable ici. Les trois paramètres ici maintenant. Donc comme j'ai dit, je sais que lorsque mon rig fonctionne normalement, les cartes consomment 90 watts. Et lorsqu'elles déconnent, la consommation passe à 140 watts. Donc le Mining Manager, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va chaque fois vérifier deux fois par seconde. Donc c'est ce paramètre-là, 500 millisecondes. Donc on dit que deux fois par seconde, le Mining Manager va vérifier dans GPUZ quelle est la consommation des cartes. Si la consommation des cartes dépasse
la consommation souhaitée, donc qui est de 90 watts, le Manning Manager va switcher les profils dans MSI Afterburner et ainsi corriger la consommation. Donc comme j'ai dit, lorsque les cartes fonctionnent bien, elles consomment 90 watts. Donc on ne va pas laisser la valeur ici 90 watts, on va mettre 100 watts. Donc une fois que la consommation des cartes aura dépassé 100 watts, le Manning Manager va switcher les profils dans MSI Afterburner. Alors le troisième paramètre, qu'est-ce que c'est ? C'est une pause. Donc si le Manning Manager a détecté une surconsommation électrique, il va switcher les profils et avant de revérifier à nouveau si la consommation est OK, il va attendre une seconde. Parce que lorsqu'on switch les profils dans MSI Afterburner, la consommation ne descend pas tout de suite. Il y a toujours un petit délai d'attente. Et comme on a défini que la vérification doit s'effectuer deux fois par seconde, si on switch les profils et on vérifie directement si la consommation est OK, elle ne sera pas OK parce qu'elle n'aura pas eu le temps de redescendre. D'où le temps d'attente de une seconde. Donc ça, c'est les valeurs par défaut. Une fois que vous les avez initialisées, vous pouvez cliquer sur le bouton Start Watt Fix. Et là, vous voyez que le Manning Manager attend MSI Afterburner. Tiens, il n'est pas démarré. Ah, effectivement, il n'est pas démarré. Donc hop, on le démarre. Voilà, là, il a détecté qu'il a démarré. Et alors, il faut aller dans GPUZ, Open GPUZ, et sélectionner évidemment une de vos cartes. Une fois que vous avez sélectionné une de vos cartes, vous voyez, hop, là, vous avez tout plein de logs qui apparaissent. Qu'est-ce que c'est ? C'est la boucle de vérification, en fait. Donc, le Manning Manager vérifie si la consommation de la carte sélectionnée ici est inférieure à 100 watts. Donc, 100 watts, c'est celle qu'on a la valeur qu'on a définie ici. S'il est OK, il le dit, voilà, ici c'est OK. Alors si vous décochez cette case, vous n'aurez plus ce log. Et donc vous l'aurez compris, ici la dernière partie, c'est tout simplement des checkbox qui vous permettent d'afficher ou pas certains logs. Alors le premier checkbox, c'est les logs général, c'est les logs tels qu'ici. Le WattFix, c'est un log qui va apparaître ici lorsque la consommation aura dépassé la consommation souhaitée. Donc si jamais vos cartes sont en surplus de consommation, le Manning Manager rectifie la consommation et vous le verrez ici. Le Watt OK, bah, c'est ce que vous avez vu déjà là, hein, donc c'est simplement pour dire OK, la consommation est bonne. Et le Debug, si jamais vous avez un souci, donc vous pouvez cocher le Debug et vous allez ici dans la case Debug et vous voyez que vous avez tous les logs de chaque étape de vérification. Donc si on la laisse cocher, ça affiche encore et encore, vous voyez. Par contre, si on la décoche, vous pouvez voir ce que fait le Manning Manager, donc... Il débute la vérification, il voit que la vérification est OK, et il attend une demi-seconde, il lit la valeur de la consommation dans GPUZ. Si jamais il y a une erreur, c'est ici qu'il apparaît. Ah ben voilà, ça tombe bien, on a des messages d'erreur. Donc vous voyez par exemple, un message d'erreur de là tout à l'heure était que MSI Afterburner n'était pas démarré. Donc voilà, c'est à peu près tout pour le Manning Manager. Donc comme je l'ai dit, vous pouvez télécharger sur mon site ou dans GitHub. Le code est libre, donc vous pouvez faire ce que vous voulez. Je répète, si vous téléchargez l'exécutable, assurez-vous de le télécharger sur mon site et que le code checksum correspond. Ne le téléchargez pas ailleurs, parce que si vous le téléchargez ailleurs, je ne sais pas qu'est-ce qu'il comprendra. Et si c'est des virus, je ne peux pas être responsable. Donc une fois que vous avez fait tout ceci, je vous conseille de refaire une image Windows pour éventuellement, en cas de problème, pouvoir facilement tout réinstaller en un coup. Je ne peux pas malheureusement le faire dans cette vidéo, mais c'est la configuration de votre BIOS pour que votre PC démarre suite à une coupure de courant. Il faut aller voir dans le manuel de votre carte mère et c'est une option à enclencher lorsque le courant revient, hop, le PC démarre. Et si vous avez configuré le démarrage automatique de votre logiciel de minage, voilà, vous n'avez pas à surveiller votre rig. Si jamais il redémarre, pour Dieu sait quelle raison, le logiciel de minage démarre automatiquement et il continue à miner. Voilà, il ne nous reste plus qu'à tester. On va démarrer le logiciel de minage. On va attendre qu'il démarre et on va voir combien consomment les cartes. Alors au niveau de la consommation, c'est donc ici. Et voilà, là il a commencé à miner. Donc on voit qu'il est à peu près à 29 points quelque chose mégaoctets par seconde pour chaque carte. Et on voit que pour la première carte, il consomme à peu près 87 watts. Deuxième carte, 89 watts à peu près. Troisième carte, 90 watts, donc 90. Et pour la dernière carte, 92 ou 92. Donc voilà, le but est atteint. Alors, petit détail, vous voyez ici dans les erreurs log, vous avez des erreurs log qui apparaissent lorsque vous switchez de carte ici. Paf, 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 c'est normal. C'est le temps que l'interface ici s'initialise. Pendant que l'interface s'initialise, le Manning Manager essaie de lire des informations qui ne sont pas encore disponibles et c'est pour ça qu'il y a ces logs, c'est pas dramatique. Et lorsque vous allez ici, par exemple, quand vous cliquez sur What OK, vous voyez que, voilà, consommation de la carte sélectionnée ici est de 89 watts, donc elle est plus petite ou égale à 100 watts, donc le Manning Manager ne rectifie pas les profils. Par contre, si on change cette valeur,
Je vais juste pour tester, je vais la mettre par exemple à 90 watts, Save Settings. Quand vous cliquez sur Save Settings, il est sauvegardé dans un fichier XML. Et alors quand on fait Start, est-ce qu'il va dépasser 90 watts? Ah, là vous voyez, il a dépassé. Donc stop, juste pour la démo. Donc là vous voyez, il a détecté une consommation de 101 watts. Elle est évidemment plus grande que 90 watts. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Automatiquement, il a switché ici sur le profil. Et d'ailleurs, vous voyez, c'est le profil numéro 2 qui est sélectionné ici. Donc automatiquement, le Manning Manager a switché de profil. Donc si on continue, c'est juste dans le cadre du tuto, hein, c'est pour tester. Hop, je fais Start. Et vous allez voir, ça va clignoter ici lorsqu'il va switcher. Bon, évidemment, 90 watts, c'est un peu juste. Donc je vais mettre, juste pour tester, je vais mettre 89. Save Settings, Start. Et là, vous voyez, hop, il switch tout le temps. Hop, il switch sur 1. Hop, il switch sur 2. 1, 2. Bon, voilà, c'est pas le but, c'était juste pour vous prouver que ça fonctionne. Donc si vous savez que vos cartes, la consommation normale de vos cartes est de 90 watts et que quand ça déconne, c'est par exemple au-delà de 100, bah, vous mettez 100 watts ici. Vous faites Save, Start. Et alors là, c'est pour dire que c'est OK, donc vous décochez cette case. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Sachez qu'avec cette configuration, mon rig, comme je l'ai dit, depuis novembre 2017, j'ai dû intervenir aucune fois. Oui, ça arrive des fois qu'il reboote. Mais une fois qu'il a rebooté, vu que j'ai configuré le Manning Manager pour qu'il me démarre tout automatiquement, je ne le vois même pas. Je le vois grâce à quoi? Grâce au mail que j'ai rentré dans le point bat ici. Et lorsque je reçois le mail, je vois que ah, il y a eu un problème. Mais le temps que j'aille de nouveau sur mon rig, bah, je vois que la situation est tout à fait normale. Qu'il a rebooté et qu'il continue à miner. Ah oui, dernier détail, c'est quoi la consommation donc totale? Donc là, je suis avec 4 cartes à 524 watts. Voilà, je crois que c'est tout. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Si vous aimez, partagez. Et moi, je vous retrouve dans d'autres vidéos pour d'autres trucs. À bientôt.